Le gaming est sa passion, bienvenue chez Keke Spy Knight. Viens relâche la pression, plein de jeux y compris Fortnite. Lâche au pouce bleu ton GG, abonne-toi sur son parcours. Membre de la team MPG, en live quasi tous les jours, V de Strime. Salut la team, c'est Keke. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Épisode 22 de Pokémon Violet, hein. Et c'est parti, on y va, let's go. Allez. Donc, on en était devant l'entrée de la grotte. J'essaie de voir si je trouve la sortie pour aller à la ville que je veux. Et si j'arrive pas, on essaiera de sortir de la grotte. Et puis, on essaiera de faire le Pokémon dominant, le type O, là, que je savais pas comment il fallait faire pour le faire sortir. J'ai trouvé, j'ai regardé une vidéo. Je sais comment le faire sortir. Donc, bah voilà. Voilà, voilà, tout simplement. Alors. Hop. On verra plus tard pour les capturer ces poissons qui nous intéressent. C'est. Voilà, c'est. Hop. Ah merde. Allez. C'est pas vrai. Ok. Je pense pas que je peux aller là. C'est une impasse. Bah alors monte. Mais non. Mais il fait chier lui. Oh putain, on peut pas être tranquille hein. Ah. Ah. Non, on peut pas l'enlever. Non. Et même bien fait les grottes, c'est mieux fait que dans les... Ah non, c'est un jeu de même. On y voit mieux, c'est. Voilà. Oh, il y a un drapeau. Tu sais, c'est le Draco, je crois. Draco, c'est vrai. Hop. Moi, il doit y avoir des drabis pas loin, parce que s'il y a Dracross, il y a lui, là. Ça, on verra plus tard. Ok. Ça doit être par là, je crois. Ça doit être par là. Il y a un autre endroit. Je sais pas si vous pourrez y grimper.
Ah bah là, il y a un rabbit, tiens. Ça là. Ah, c'est, là, c'est par là où je suis entré, je crois. Rien par là. On va même essayer. Hop. Bon, ok. Dans ce voiture. C'est bien qu'il n'y a rien ici en fait. Oh, un malos. Des molosses, je veux dire. Ah, c'est, des molosses, je vais mettre en cristal là. Je me demande. Je crois que c'est. C'est là où je pense en fait. Et c'est là où je devais. Ouais. Je crois que c'est. Ouais. C'est là. L'endroit où je pense. Oui. Donc attendez. Normalement, on est pas loin. Normalement, on est pas loin. Attention. Normalement, c'est là où je devais prendre vraiment l'entrée, quoi. Évident, mais maintenant et non, oh. Non, je prends la fuite facilement. Ah putain, moi ce que je veux, c'est aller à la ville. Ok. Moi j'ai vu dans une vidéo. Normalement, je crois que c'est sur le bon chemin. Parce que normalement, l'entrée qu'on voit là, c'est celle que je pense. J'ai vu dans une vidéo. C'est qu'on est déjà passé avant, tu peux pas grimper de ça. Donc là on est là. Et le mec il avait sauté là pour venir là justement dans la vidéo. Et après.
Le mec. Il me semble. Par là, je crois. Je crois que je dois être à la bonne voie, je pense. Je vois, mais comment pour monter là ? Je fais comment pour monter là ? Oh, ils font chier eux. Mais allez, oh putain. Vas-y, casse-roi les couilles. Putain, je suis obligé de les attaquer, bande de cons. Putain. Casse les couilles. Perdre du temps là. Attendez. Ça pour ça quoi. Comment faire? Allez, monte! Allez, monte! Ah, merci! Fais des bons là, monte. Ouais, si j'ai pas encore la escade, genre escade, ça m'aiderait vachement. Comme ils grimpent un peu, voilà, quand ils grimpent comme ça, bah je pourrais escalader pour. Pour mieux y arriver quoi. Le problème c'est ça, j'ai pas escalade. C'est ça qui est un peu chiant pour moi. Bon c'est pas grave, on va prendre la map. Là on verra plus tard. Le dominant il était où? De meilleur type haut là. Attendez. Donc on était là. Donc le dominant était là. Donc du coup. On peut aller. Peut-être retourner à la ville où on était pour après aller vers le dominant. Parce que là,
On y retournera plus tard, peut-être vers la fin. Que je pense que ça va être la dernière ville. Comme je réescalade, tout ça sera plus simple pour moi. Parce que sinon, on va faire trop de temps avec ça. Ça sera toujours la même chose que ça. Et là, pour moi, c'est pas possible. Ok. Hop. Ok. Allez, la map. On va aller voir rôle dominant. Destination, ok. Voilà. C'est pas tout le volet sur vous. Yep. Okay. Je crois qu'il y avait un Riolu ici. Ouais, j'en ai jamais, mais bon. Il y en avait un qui avait coupé pour feu ici, il va dire oh. Comment ça se fait? Mais en fait. Allez, pourquoi? Quatox, il y a... Putain, ils font chier, hein. Allez. Mais allez, peut-être faire pas plus de temps, là, putain. Ah, ma toxicité, là. Ma toxicité, là. Ah, casse les couilles, hein. Faire là. Ok. Miner, c'est par ici. Ok. Autre libre ici, ok. Nitraco aussi. Et toi t'as mal. Ah putain mais... Il s'est échappé, il a eu peur. Oh. On l'égarpille. On va mettre Nitraco ici. Parce que t'as mal toi. Ah c'est une femelle. Allez. Ok. Ok.
Ah, ça va être lui, les Pokémon dominants, mais en plus gros encore. Et putain! Ils me saoulent à me foncer dessus comme des cons là! Putain! Allez! Mais prenez la fuite! T'as pas du temps, putain! Allez, va te faire! Putain, ils sont casse-couilles, sérieux! Allez! Putain! Ils sont collants! De fou! Ok. Faire venir le dominant. C'est celui qui est au bout là, je crois. Là, c'est quel là? Dominant. Bon, ça tombe bien qu'il m'a fait enlever Cocoil, comme ça moi je peux envoyer Batou Jaune direct. Hop là. Suis dominant. Ok. Canon de graine. Ok. Il me le crève, c'est quand même. Connard. Pikachu. Mm-hmm.
quelqu'un. Hop. Ok, vas-y. Pas beaucoup, hein. Et voilà. Ça m'énerve. Putain, ça casse les couilles. Pokémon dominant de merde là. Putain. Putain, ça me casse les biens de ça. Je... ça le champion de d'arène là, putain, mais elle a tout souffert en fait. Hey, oui. Nice. Oh, mais d'abord. Métamorphe. Oh, il s'était transformé en Evoli le con. Wow. Oh, j'ai pas tout fait, hein. Nice, capture métamorphe. Ouais. Allez, bingo bango. C'est bon, je vais mettre sa mort. Nice, mon gars. C'est bon, la métamorphe. Oh oh. Alors, ça dit quoi? Tac. Métamorphe peut modifier sa structure cellulaire à sa guise pour se transformer en n'importe quelle forme de vie. Nice. Ok. Let's go, métamorphe. Nice. Au début, il y avait un autre vrai évolué, pas c'est un vrai. Ouais, c'est un vrai. Ouais. C'est un mal en plus, donc c'est cool. Nice, allez, capturez-vous lui. Cool. Ok. Let's go. Ses gènes atypiques lui permettent de muter s'il est exposé aux radiations d'une pierre. Oh, trop mignon la photo. Ça métamorphe ça, non? Non, sinon ce serait ma métamorphe, non? Oh putain, mais il fait chier lui. Allez.
où le Deden là? J'ai déjà rencontré, non? C'est un métamorphe, je sais pas, des points d'interrogation. On va voir. Non, c'est un vrai Deden. C'est un vrai Deden. Avec les siens grâce aux ondes émises par ses moustaches. Si son niveau d'électricité est trop bas, il se lève pour dormir. Ok. Il se lève. On a pas un évolué. Mal. Allez! Oh, c'est casse-couille! Ça me saoule. Mmh.
Ça me saoule, ça me gave. Ça m'énerve! Allez! Rentre, bouti! Putain, casse les couilles! Nice, coup critique! Eh ben, je manquais bien le coup critique! Putain! Qu'est-ce que casse-couille quand ils font ça? Qu'est-ce qu'il va prendre tranche là? Oui. Mes Pokémon sont pas assez forts pour le dominant, ok. On va se contre lui acheter à lui. Hop. Alors. On va acheter 4. Et. Ok. Un boule. Aussi. Ok. Ouais. Oh, là on est bon pour Super Bowl. Voilà, regarde, voilà, on va racheter une Super Bowl et une Pokéball que ça fasse 12. Voilà. Hop, voilà. Tac. Boîte PC. Donc, je crois qu'on a eu un métamorphe. On a eu deux évolus déjà. Hop, déplacé. Hop. On a deux évolus mâles. Donc, 28 et 29. Donc, on peut mettre le 28 en premier. Voilà. On a eu un métamorphe. C'est ce qu'on voulait depuis le début. Il était métamorphosé en Evoli justement. Donc voilà, c'est cool. Pouvoir faire des œufs si on veut. On fera notre pique-nique là. Donc voilà quoi. Bon. On va regarder un peu sur la map si on va aller le prochain coup. Parce que là, ça a rien quoi, pour retourner l'arène. On va se refaire défense. Ça a rien qu'on retourne pour l'instant au lac ici parce que pas le dominant, on va refaire défoncer donc c'est pas la peine. Là il y a un endroit qu'on n'a jamais été encore. Oh là je sais pas trop. C'est quoi là? C'est la reine là où je voulais aller. Mais ouais, il manque escade. Quand le jour que j'aurai escade, ce sera plus simple parce que pour grimper là où pas grimper, ce sera plus simple pour moi grimper quoi. Donc, mais sinon si je continue à aller dans la grotte tout ça, je vais se tomber. Il y a plus
se met avec autre chose. Donc, Ouais. Ça fait des tubes plantes, ça. Les trucs, ok. C'est quoi là? Je peux perdre l'équipe qui m'en va, ouais. L'équipe quoi? Poison. Le frigao, donc spectre. Là, ça vient de mon AP. Je sais pas, je sais pas où aller. Entre les arènes, les repères, la Team Star, tout ça. Oui, je suis là. Prochain coup, il faut peut-être essayer d'aller là. Petite glace. Vu que je suis là. Il doit en continuer, je peux essayer de faire tout droit, je sais pas. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Au bout d'un moment, il faut bouger là, il faut. Voilà. Là, on avance pas, là, on traîne. Donc voilà. Voilà. Moi qui croyais qu'on aurait au moins réussi à battle dominant, maintenant on s'est fait défoncer aussi. Ça enlève pas beaucoup de niveau quand j'attaque, donc bon, bah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Faut que j'entraîne plus mes Pokémon et puis là on pourra battle dominant et on pourra battre l'arène de type normal. Donc. Ah, j'ai déjà deux badges, mais bon. Ah, difficile. Bon. Alors, je suis désolé si on n'avance pas trop, mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Donc voilà. Bon, sur ce, si cette vidéo vous a plu quand même, hein, tout de même, n'hésitez pas à commenter, liker, partager à fond la vidéo. De nouveau, nouvelle carrière sur la chaîne, que vous voyez que mon contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, vous êtes les bienvenus. Hein. Une fois c'est fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications, surtout, parce qu'il n'y a surtout personnalisé aucun. Vous pouvez cliquer sur tout, là c'est pas mal de notifs, il y a des notifs qui pourraient se passer ça sur la chaîne. Et puis voilà, let's go. Hein. Pour ceux qui avaient. Et puis aussi, donc je me dirige à 500 abonnés, donc n'hésitez pas aussi à partager à fond sur vos réseaux sociaux, sur ma chaîne Twitch, ou ma chaîne YouTube, ou mes vidéos. N'hésitez pas à partager à fond sur vos réseaux, comme ça il y a que comme ça que vous me ferez connaître. Et que vous me ramènerez du monde sur la chaîne. Et puis voilà quoi. Pour ceux qui avaient l'habitude de me voir stream sur YouTube avant d'en passer, c'est sur Twitch maintenant que ça se passe. Stream, moi, je le dis à chaque fois dans chaque vidéo. Et donc pour me voir stream sur Twitch, il y a le lien de ma chaîne Twitch en description dans chaque vidéo et dans mon propos de chaîne à chaque fois de notre chaîne YouTube, à propos de chaîne YouTube. Vous cliquez sur le lien, ça vous montre tout droit ma chaîne Twitch. Si vous n'êtes pas follow après, que vous arrivez à la page d'accueil, vous cliquez sur le bouton suivre et après vous êtes follow et après appuyez attendre une notif de moi. Et voilà, je suis actif tous les jours, je stream tous les jours sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me ferait plaisir et vous me verrez comme avant en stream sur Twitch, comme avant sur YouTube quoi.
Et en description des vidéos de ma propre chaîne YouTube, il n'y aura pas que ma chaîne Twitch que vous pouvez retrouver. Hein, vous le savez, il y a les liens de mon Twitter, mon Insta, mon Facebook, mon Snap, mon TikTok. Et pour ceux qui commencent à avoir 15 ans ou plus, le Discord aussi, vous pouvez rejoindre le Discord. Donc, on répond à tout le monde, on est très actifs, on commence à être une bonne petite commune. Et vous pouvez me... Et c'est sur mes réseaux aussi, je réponds à tout le monde, c'est très actif. Donc voilà, sur mon TikTok, vous pouvez retrouver plein de vidéos. Donc voilà, c'est un jour, c'est 500 followers. En plus de tout, peut-être que je ferai des streams IRL ou des streams des jeux sur TikTok. Donc voilà, mais pour ça, il faut que je débloque les 500 followers pour que je puisse débloquer les streams sur TikTok. Donc voilà. Et mes réseaux se trouvent aussi dans... Donc sur YouTube, hein, comme je l'ai dit, en description des vidéos et dans mon propre chaîne YouTube. Et il se trouve aussi quand vous arrivez sur ma chaîne Twitch, quand je suis en stream, dans le chat du stream, comme avant sur ma chaîne, comme avant quand j'étais en stream YouTube, bah, vous faites les mêmes commandes. Donc pour exclamation Y pour ma chaîne YouTube, pour exclamation R pour mes autres réseaux sociaux, pour exclamation D pour mon Discord, et pour exclamation Epic pour ceux qui veulent jouer avec moi à Fortnite. Et ben, je vous donne mon épique, comme ça vous m'ajoutez, moi je vous accepte, et puis voilà. Puis pour les autres commandes, et vous faites les autres commandes, et le Nightbot qui vous donne mes réseaux, tout ça. Et voilà, il y a plein d'interactives avec mes streams. Vous pouvez balancer des sons pour que je puisse danser, balancer des stickers sur mon écran de stream. Il y a vraiment de quoi pour s'amuser, quoi. Et vous pouvez me sub aussi à la chaîne, donc voilà, à ma chaîne Twitch. Mais pas ma chaîne YouTube, hein, pas encore. Mais ma chaîne Twitch, vous pouvez mettre ça. Et mes réseaux se trouvent aussi dans ma bio de ma chaîne Twitch. Vous arrivez à ma page d'accueil. Il y a la description de ma chaîne Twitch. Et juste en dessous, il y a mes réseaux aussi. Donc voilà, mes réseaux sont partout dans ma chaîne Twitch, ma chaîne YouTube. Sont partout, vous pouvez me trouver facilement et me contacter facilement. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, sur ce, c'est Keke pour épisode 22 de Pokémon Violet. On se retrouvera bien sûr pour l'épisode 23. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Keke. Et maintenant, je vous dis tchuss. La team.